Suspense. Tuner. FM, bouton. C'est good. Bonjour à tous, ici Christophe Vincent pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel électricité automobile. Le câblage avait été fait vraiment à l'arrache par l'ancien propriétaire. J'ai tout refait au propre. Et puis, je vais vous expliquer le petit problème. Là, on voit bien au niveau du câblage que j'ai refait le câblage en fait des enceintes arrière. J'ai pas d'enceinte avant. Pour les enceintes avant, j'ai trouvé une solution que je vais vous présenter dans un futur tuto. En fait, j'ai récupéré des haut-parleurs d'un vieux téléviseur et je vais faire un tuto là-dessus prochainement. Pour ce qui est de l'alimentation, donc, je n'avais qu'une alimentation qui partait d'une aimante en fait. Ce qui fait que pour que le poste soit allumé, il faut que je démarre le contact. Ce qui n'est pas génial puisqu'il ne garde strictement rien en mémoire. Donc, le fil rouge, c'est ce qui est censé partir de l'alimentation directe batterie. Et puis là, c'est ce qui est censé arriver au aimant. Donc, j'avais pas réfléchi avant. J'avais branché directement sur le rouge. Et puis ensuite, j'ai fait ça. Alors, ce que je vais faire, je vais récupérer une alimentation. Je vais faire une dérivation là-dessus. Et puis, je vais inverser le jaune et le rouge. Et à partir de là, on aura une alimentation permanente pour la mémoire. J'ai plusieurs options. Soit faire un repiquage sur l'horloge, soit sur l'allume-cigare, puisque l'allume-cigare est en allumage permanent. Dans le cas précis, je vais me repiquer sur l'horloge. C'est beaucoup plus prudent, puisque l'horloge est alimentée H24. Puisque là, je le vois, l'horloge tourne, donc c'est alimenté en permanence. Là, on a l'arrivée d'alimentation de l'horloge. C'est pas évident. On a du bleu, du noir et du blanc. L'alimentation horloge, donc. Alors, j'ai des choses. Elle est bleue. Ok, donc il faut tout simplement que je pompe ce bleu, je vais me faire un pont et ensuite je vais le connecter à mon jaune que je vais faire passer derrière. Pour faire ça, moi j'utilise deux choses, j'utilise des cosses et une pince à sertir, ainsi que, voilà, c'est tombé, ainsi que de la gaine thermorétractable, voilà. Donc, je mets d'abord ma gaine thermo, je relie les deux fils entre eux, je passe ma cosse, je l'assertis, et puis c'est parti. Donc, pour mon alimentation, alors j'ai pris un petit bout de câble, bon, c'est du câble audio, mais il est repéré rouge, c'est de la section 0,75. C'est la même qu'il y a ici, hein. 0,75. Je passe d'abord ma gaine thermo. Bon, là, étant donné que le fil est coupé, je peux le faire après, c'est pas bien grave. Mais je passe maintenant, au moins c'est fait. Donc, je vais prendre un embout assez large, puisque là, j'ai déjà une cosse dessus. Puisqu'au départ, j'avais fait un pontage sur le rouge pour que ça puisse fonctionner. Alors pour les cosses, moi j'ai tendance à y aller au pif, je vous le cache pas, ça rentre, c'est ok, ça rentre pas, ben je prends le démètre au dessus. Donc ma pince à sortir, je prends mes deux fils, je les mets en quinconce, et puis après je sertis avec ma pince. Ça ne bougera pas. Donc, je passe ma gaine thermo. Et ensuite,
Je brûle avec un briquet. Donc on brûle la gaine se rétracte. C'est le principe de la gaine thermo. Alors évitez de toucher avec les doigts parce que ça peut faire mal. Une fois qu'elle est bien rétractée, eh bien, croyez-moi, ça bouge plus. Voilà, donc on a un côté qui est fait. On n'a plus qu'à passer le câble là-haut. On le fait ressortir du côté de l'horloge. Ensuite, on n'a plus qu'à le brancher sur le bleu. Alors là, il y a deux options, soit vous coupez le câble, soit vous le faites rentrer dedans, soit carrément vous le coupez et puis faites un truc. Donc, je vais couper la bonne longueur. Je torsade. Simplement couper mon bleu et foutre une cosse. Trop longue. On peut le remettre sur l'horloge. Alors je vais d'abord faire ma petite inversion sur le poste. Donc le rouge sur le jaune et le jaune sur le rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai branché la lime directe, le câble qui est censé partir pour la lime directe sur le jaune. Donc, normalement comme ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, on va brancher le tout. Notre horloge fonctionne toujours. Je repasse le tout dedans. Je remets mon petit vide poche. Ça comme ça, et ensuite j'ai plus qu'à remettre mon bazar de câbles en n'oubliant pas de rebrancher le connecteur, ce que j'allais faire, n'est-ce pas? Donc voilà, on a notre nouveau fil. Et donc normalement là, tout devrait fonctionner à merveille. Bon, je vais pas le renfoncer complètement pour laisser. Je vais faire laisser. Hop, façade.
excuse-moi. C'est derrière la porte. Bien. Et ok. Enregistré. Voilà. On l'a enregistré 96 sur la première station. Maintenant je coupe. Ouf. Donc c'est pareil. Et là, je vais remettre suspense. FM bouton, c'est good, ça fonctionne. On reste sur la même station. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur le petit pouce en l'air et à cliquer sur la petite cloche de notification qui te permettra de voir dès qu'une nouvelle vidéo sera postée. Merci, à très bientôt.